Salut à tous et à toutes, c'est SilenceDark59 et nous voici aujourd'hui pour la vidéo découverte sur First of the North Star, Ken Rage sur Xbox 360 et aussi un jeu sorti sur PS3. Donc c'est un jeu qui est sorti le 5 novembre 2010. C'est un jeu développé par Koei et édité par Tecmo. Donc voilà. Donc les aventures de Ken le survivant. Donc là on est directement dans le menu. Vous voyez un menu des gens qui reprend la série originale de Ken le survivant. Le mode faction qui est un autre mode de jeu. Un didacticiel, une galerie pour voir les scènes cinématiques. Et l'option, voilà. Donc on va aller en mode légende. Donc j'ai fait deux stages. Donc vous voyez là on peut choisir des bonhommes. Hein. Donc de toute façon j'en ai débloqué trois, je crois. Kenshiro, Rei et Nania. Mania plutôt, je sais pas comment ça dit, mais bon. Donc je vais prendre Kenshiro vu que j'ai commencé avec lui son histoire. Donc vous allez me dire ouais mais pourquoi il fait le jeu là, c'est un jeu de merde, nanana. Bah je l'ai acheté il y a pas très longtemps donc je me suis dit tiens allez vas-y, hop. J'ai attendu qu'ils soient moins chers parce que je peux pas acheter tous mes jeux non plus à leur sortie. Donc il y a mes collègues qui m'ont dit que c'était un jeu, il a aimé mais bien donc je me suis dit tiens je vais tenter le coup, on peut prendre la suite du stage. Vous aurez un résumé de l'épisode précédent aussi. Donc j'ai battu, je sais même plus comment il s'appelle, c'est Shin, ouais voilà, qui a kidnappé la fiancée à Kenshiro, Julia. Donc si vous vous rappelez hein, le pitch hein, c'est quoi, c'est que voilà il y a une grande guerre mondiale, la guerre nucléaire même, donc tout a explosé, on est dans un univers apocalyptique. Ouais, du coup, c'est des mots à la rallonge. Et donc les survivants essaient de survivre, mais bon, il y a des tyrans et ils veulent prendre le pouvoir des villes et tout, donc ils martyrisent, ils veulent devenir les plus forts du monde en fait. Hein. Et Kenshiro, c'est le héros bien sûr. Donc à la base, bah, il va chercher sa gonzesse, hein. C'est au début, c'est ça le pitch. Puis au fur du temps, il rencontre deux enfants. Donc on les a vus, c'est Bart et Lynn. Donc il bat Shin et après avoir battu Shin, bah, il continue son périple. Hein. Donc maintenant il n'y a plus qu'à protéger les deux enfants. Et au fil du temps, bah, il va affronter des grands adversaires d'Inanto et des Hokuto, qui sont deux écoles légendaires. On peut entendre en japonais, on pouvait choisir langue japonais et anglais. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc là c'est le nom du chapitre, l'odeur fétide de l'amour. Je sais pas si avoir la scène cinématique, sinon je vous la laisserai. Donc d'abord on va aller dans les menus. Donc voilà les menus. Donc on a, c'est un peu comme un RPG, hein, vous voyez. On peut booster son bonhomme. Alors il faut aller sur le damier. Donc voilà, ça c'est le damier. Donc je vais mettre de la life. C'est très important. Donc ça c'est pour frapper plus fort, un peu plus direct, parce que voilà. Alors augmente la performance d'attaque, qu'est-ce que votre santé. On va mettre tout sur pour la défense. Ah défense, ah, là, là. Là j'ai plus assez, donc voilà, hop. Donc là il y a la liste des coups, les techniques spéciales, donc moi j'en ai récupéré une. Donc, je vais la mettre. Métal, j'en ai un. Hop, ça c'est le cas où si je suis dans le caca, je serai plus fort en défense. Liste des coups, alors on va commencer. Tout ça un peu comme un RPG, hein. Vous gagnez de l'expérience et après vous pouvez vous acheter des compétences. Vu l'arbre de compétences qu'on vient de voir, c'est une sorte de damier. Damier de compétences. Ça je m'y attendais pas hein, quand j'ai démarré le jeu, un damier de comme ça. Ça fait penser à un petit Final Fantasy, je sais pas, ça fait pareil. Mais
私たちは何としてもこの村を守っていかなければなりません。この村のために死んでいった人たちのためにも。俺たちは戦う。マミヤさんと共に最後まで。あんたの命令は何でも聞こう。さあみんな戦いの準備よ。死ぬぞ。構いません。Ah, comme vous avez pu vous apercevoir, franchement, les scènes cinématiques sont vraiment pas mal. Franchement, vous voyez, c'est un bezémol. Je vais pas dire tout à l'heure. Défonce tout. Kane est surpuissant, donc là, il faut courir à fond comme un taré. Donc vous avez vu vous apercevoir c'est quoi le défaut du jeu, c'est sa caméra. Donc c'est un jeu PEGI 18 hein, bien sûr parce que c'est quand même un jeu violent. Hein. Donc là c'est la première fois que j'ai des camarades avec moi. Donc c'est là que je vais rencontrer. Bon, la meuf, j'ai un peu de mal à dire son nom, hein, c'est Mania, truc comme ça. Donc c'est elle ressemble à la fiancée de Kenshiro. Ah, c'est comment dire, c'est pour gagner de l'expérience. Au bout de 150, je gagnerai des points, je sais plus quoi. Je me rappelle comment c'est. C'est une bouteille, c'est pas beaucoup spécial. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Tu vas vraiment en voler. Donc joue en normal parce que j'avais mis jouer en hard mais franchement en hard j'avais même pas touché aux options mais je me faisais déglinguer la tronche. Donc pour l'instant je fais pas de coups spéciaux parce que ça vaut pas le coup, c'est des petits bonhommes de bras. Donc là on a une mission à faire. Donc c'est de sauver les villageois. C'est quand on réussit la mission, on nous octroie des capacités en plus. Alors ils font quoi mes deux collègues là? Quand vous voyez que leur barre elle clignote, c'est à dire qu'ils vont me frapper. À part quoi sur moi, ça je vois pas. Donc vous voyez vraiment la caméra, c'est vraiment la dope. Et c'est encore pire quand c'est les boss, parce que quand c'est les boss, la caméra elle est rapprochée. Donc on peut le prendre, enfin on peut faire une projection. Je sais rien, voilà. Vous voyez c'est un peu lent quand il fait la projection, et boum dans le mur. Voilà. Donc vous avez vu un truc qui a un halo qui était autour, c'est que... Toi tu vas voler, bon. Ah vous voyez, il y a un halo qui tourne, donc ça veut dire que là il est plus fragile encore. Allez, casse-toi. Je gagne un truc hein.
ケン、俺は間宮と共に敵のアジトを探る。後でまた合流しよう。Voilà, j'ai perduré. Donc je découvre le stage en même temps que vous, parce que là franchement, oh, putain, j'ai tapé dans le vent. Donc là je me retrouve tout seul. Donc ça c'est l'énergie, putain. Oh, ça devait être un éclaireur. Hein. T'inquiète pas. Donc là, pas bon, ça va, c'est pas trop dur. Alors merde, j'ai fait mon pouvoir dans le vent. Donc voilà, j'ai fait un pouvoir en appel tombé. Ah, j'ai bien activé. J'ai trompé le bouton, c'est pas grave. Ah, vous voyez, comme on est ça marque c'est quoi le coup et tout. Ah bah pff, je passe à côté. Là faut faire en plein dedans, en plein milieu de tout le monde, allez. Là je vais être plein dans le contact. Vous voyez, ça fait comme des animés, regardez là, ils vont exploser. Attention, ça va péter, regardez. Ça c'est affreusement fort. Ça prend vraiment bien l'esprit du manga. Hein. Ça suit bien la trame. Par contre, je sais pas jusqu'où ça va. Je commence le jeu. Bah, après, ça va jusqu'à la fin. Hein. Parce qu'au début, on fait le didacticiel. C'est quand on va rencontrer Raoul. Donc, Raoul, c'est votre frère. Ok. Nat, c'est frère plutôt. Donc, il y a plusieurs personnages jouables. Donc, a priori, il y aura Raoul, il y aura Shin, il y a Ray, Mania. Il y a Tuki aussi. On peut jouer à deux, j'ai vu aussi derrière la boîte. Donc c'est de la coop, hein. C'est un coop sur la même console. C'est du local. Oh, c'est pas mal du local si vous avez un ami ou un frère, un peu avec. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est un peu lent, c'est ce que je regrette un peu, c'est que c'est un peu lent. C'est un peu mou. J'ai 350 doubleux, j'ai gagné des points de talent. Peut-être que je vais défoncer sur la barrière. Donc vous voyez, hein, c'est tout bête, hein, on avance, on frappe, on avance, on frappe. Hein. Sur tous les bêtes et molles, c'est comme ça. Non, écoutez, c'est pour récupérer des l'esprit c'est pour faire mes gros pouvoirs. Ah mais putain, mais quel con, ils sont dans le truc. Et il nargue le gros PD là. Ah, tu as pu rire longtemps, mon gros PD. On dit là, c'est la pièce. Ah ok. Ah faut monter comment? Ah ok, on veut jouer. Quoi que c'est moins chiant que Ninja Gaiden. Et après on fait quoi? Ah ça y est, je me prends pour Altaïr, ça y est. Ah tiens, je vais monter, il n'a pas voulu monter cet abruti, puis là il monte sur quoi. Bah s'il veut. Non, tu m'as largué gros. Sans regret, pour l'instant c'est qu'il manque à Log. Log automatique, parce que Log est tes ennemis. C'est franchement des fous. Chou chou chou. Surtout quand t'es au niveau des boss, hein, c'est ça fou. Ah putain, il me faisait foutre le cul, c'est gros pété.
Oh mais putain, c'est quoi cette affaire? Ah mais putain! Ah bah voilà. Donc, vous voyez, on protège des civils. Hein. Mais bon, j'ai pas fait la mission donc tout à l'heure, donc bon, franchement je vois rien sur cet écran à la con, donc c'est sûr qu'il est chiant. Toi, casse-toi, on va voir si je suis là-bas. Putain, fio. Y'a pas de poudre, ah, c'est un coffre là. Y'a des caillasses. Je dois traverser ça, des arrières. Ouais, mais. Comment il me renvoie la 20 points. Oh, vous marrez moins là, on est à fait. Tiens, tu vois. Alors, vous allez où là? Hein? Regardez comment ils flippent leur race. Va voler. Grosse découverte du stage en même temps que vous. Je sais même pas qui je vais affronter alors comme boss. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'au boss, en plus on verra un combat de boss en même temps. Donc là j'ai une mission. J'ai 50 ennemis à tuer, t'es sérieux? Ouais, c'est quand même bien peuplé hein. Quoi qu'en même temps, un bête démol, c'est ça. Ouais. On fait toujours les mêmes coups, hein, mais bon, on peut gagner des pouvoirs, des talents et tout. Hein. Il y en a qui me défoncent à l'arbalète. Je peux charger un coup et m'envoyer une boucle de feu, mais bon. Ah, putain, ouais. C'est pas top, ça. La caméra, comment je tape dans le vent. On peut en faire un peu comme ça. Parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant. On peut faire un changement de ça. Sinon je peux essayer d'envoyer là-bas pour voir de péter la tour, mais bon. Pendant la musique, pendant le bad boss contre Shin, c'était la chanson du manga, donc ça c'était vraiment pas mal. Du manga japonais, je parle, hein, la scène d'ouverture du dessin animé. Je sais pas s'il y a toutes les musiques non plus, hein, mais bon. Voilà. Merci. J'en ai un deuxième.
efficace dans la norme. Ah putain, je tape à côté. Vous voyez bien que c'est des lopettes, hein. Putain. Bon, je vais où ils vont, hein. Je vais défoncer leur cul. Ah ouais, alors comme ça vous devez vous casser. Bien. J'ai vu aussi qu'il y avait des trucs cachés, hein. Une sorte de... Il y a le symbole de Ken, vous voyez, les... l'étoile de la grande ours. Donc voilà, faut le défoncer avec une certaine technique, mais bon, comme je savais pas c'était laquelle, je l'ai pas fait. Oh putain, y'a encore des trucs comme ça. Ah bien joué. Ah putain, vous voyez que c'est pas maniable, hein. Franchement, rien à dire. Ah mais putain, vas-y. Ah. Ah mais il fait des roulades à 20 bornes. C'était vraiment pas mal la scène de présentation du jeu. Voir après. Après on peut se mettre au mode rage aussi. Mais bon ça je vous ferai sur les boss parce que si je le gaspille sur le boss vous allez voir c'est quand même bien casse-couille. Ah mais... Vous voyez pourquoi je fais toujours cette technique là parce que ça arrose bien sur les côtés et tout. Même la chope. J'avance, allez hop. Je sais pas c'est qui elle. Heidi, vivez-tu encore? Nice, vraiment Nice, c'est ça? Vivez-tu Nice, ni à elle, non? Nani? Nissan, toko nano? Atashi wa dakishimete!
助けてやるぞ。お前の可愛い妹はわしの手の中だ。ハイリだけは殺さないでくれ、頼む。そのためなら俺は何でもやる。ならば貴様、その北斗の男を殺せ。表裏一体の北斗と、なんとは互角の拳法。戦えば勝者はない。Bah donc je vais me taper Ray. Alors que c'est même pas un boss donc on est où là? Nanto wachi no atama no ii koto ya. Ken Quand je parle, on pouvait charger et faire une boule de feu. Ah ouais, putain, c'est vrai, il tape en l'air. Ouais, là, j'ai mis mon mode furie. Là, je tape vraiment plus fort. Hein. Là, je vais faire mon gros pouvoir. On a aussi un gros pouvoir quand on fait le... Allez boum, prends ma boule de feu dans ta tronche. Grosse ta fiole. その構えは北斗神拳秘伝の正極林。この構えの持つ意味は貴様も知っていよう。なんと小針北斗遊撃庫。この勝負、わしの切り札の方が強かったようだな。兄さん、親父、大丈夫だ。間違いなく死んでる。二人とも心臓がピクリとも動いてねえ。ヘヘヘヘヘ、俺今こそこやつらを刻んで一族の恨みを晴らしてやれ。よし、息子たちよ、引き上げだ。この女を殺せ。
政局輪の構えは互いに飛行をつき一時的に仮死状態になることの合図だったのだ。貴様は最初からジョーカーを引いていた。Donc on est reparti pour un tour. Bon, je ne veux pas aller jusqu'au boss parce que ça va être trop long. Donc j'espère que cette vidéo découverte sera... Oh putain, je vais devoir dire Kenrage parce que c'est le titre en rouge. C'est plus facile à dire. Sur Kenrage sur Xbox 360 vous aura plu. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo sur ma chaîne. A la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.